On est déjà une entreprise du label B Corp. Donc, qu'est-ce que c'est que le label B Corp? C'est un réseau d'à peu près 2000 entreprises dans le monde qui vise à être non pas les meilleurs du monde, mais à être les meilleurs pour le monde. C'est-à-dire qui ont cette préoccupation permanente des trois axes du développement durable, qui sont la performance économique, parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut conquérir des marchés, créer des jobs, chercher des parts de marché. Il faut également penser au social, à l'humain, comment je participe au développement de mes équipes, mais également de mes fournisseurs, et pourquoi pas penser aussi à nos clients. Comment peut-on les emmener avec nous dans notre projet? Et puis le dernier point, c'est comment mon entreprise peut-elle participer à l'amélioration de l'environnement, faire en sorte que déjà nos entreprises polluent de moins en moins, voire même qu'elles fassent de l'écologie positive, c'est-à-dire que l'air qui rentre dans nos usines est pollué, elle va ressortir encore meilleure qu'avant, ou que l'eau qui rentre ressort meilleure qu'avant. Je pense que l'entreprise aujourd'hui, on voit des panneaux solaires qui sont sur des toits d'entrepôts, de supermarchés. Voilà typiquement une concrétisation d'entreprise qui essaye de faire encore mieux, de l'écologie positive. Donc moi, les trois pans de ce développement durable, c'est ce qu'on travaille au quotidien avec nos 1000 salariés chez Nature Découverte. Je pense que ce qu'il ressort de ça, c'est une fierté de travailler pour cette entreprise. Ça n'est pas forcément d'être dans un programme de bien-être en entreprise, mais de bonheur en entreprise. Parce que dans la vie, on est dans la vie personnelle, on n'est pas toujours bien dans sa peau. Mais le bonheur, à un moment, c'est de se dire, mais fondamentalement, est-ce que tu es heureux malgré tes déconvenues avec tes enfants, avec ton boss, avec ce qui se passe dans ta maison, tes soucis? Est-ce que fondamentalement, tu es heureux? Est-ce que tu arrives à atteindre ce bonheur? Et beaucoup de gens disent oui, bien sûr, globalement, je suis heureux. Mais il y a des moments où je ne suis pas forcément bien dans ma peau, bien dans mon boulot, bien dans ma famille ou bien avec mes amis. Donc moi, je crois que voilà, la fierté, c'est quelque chose de très important qu'il faut qu'on crée chez Nature Découverte, dans la plupart de nos entreprises, qui a un vrai projet au service de ce développement durable dont je parlais tout à l'heure. Et puis, d'essayer de viser à ce que l'entreprise puisse participer à son échelle au bonheur que chacun cherche à avoir. Mais l'entreprise ne peut pas tout faire. Voilà, l'entreprise, on ne travaille que 12% de sa vie entre puisqu'on vit de plus en plus longtemps, on dort aussi, 12% de la vie est passée en entreprise. Donc la plupart du temps aujourd'hui est passée en dehors de cette entreprise. Et donc la question, pas seulement de mettre tout ça sur l'entreprise, mais de se dire, bah moi, qu'est-ce que je fais à titre personnel pour être heureux?